dans un saladier, je crois que c'est. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'on fait comme gâteau aujourd'hui? Un gâteau au yaourt. D'accord. Et c'est quoi la première chose que tu fais, Charlotte? Je mets le yaourt nature dans le saladier. D'accord. Vas-y. Tu peux sortir le reste? Ah oui, avec la cuillère. Bonne idée. D'accord. Et qu'est-ce que fait ensuite, Tristan? Ajouter par-dessus deux pots de sucre. Deux pots de sucre. Il faut le mettre dans le pot, pas directement dans le bol. Il est où le pot? Ajouter par-dessus. Oui. Il est ici le pot. Non. Oui, va. Si, si, si. Non. Si, si, si. Ah oui. Tout un pot. Vas-y, il faut peut-être en rajouter. Ouais, un peu plus. Ouais. Non, mets-en un peu plus. Il en faut deux pots. Deux pots. Ah oui, d'accord. Et il en faut deux. Maintenant, il faut faire ça. Et après, il faut encore... Encore un pot de sucre? Oui, deux pots de sucre. Maintenant, on le met dans le pot. Et après, si tu n'en as pas assez, tu prends un petit peu plus. Et ensuite, Monsieur Tristan. Charlotte, maintenant, trois pots de farine. Trois pots de farine. Oui, c'est bon, trois pots de farine. Trois pots de farine. Allez. Tristan, tu vas aider ta sœur? Tu comptes bien. Encore. Et si tu en as pas assez, tu en remets. Tu l'as déjà dit. Maintenant, tu le remets dans le saladier. Ça fait combien de pots? Deux pots. T'en as déjà mis deux? Oui, j'en ai déjà mis deux. D'accord. Maintenant, il faut en mettre encore un. Parce que mes... Le Tristan, le cuisinier, il m'a dit trois pots. C'est bien de pouvoir faire un gâteau toute seule. Avec l'aide de ton frère, bien sûr. Après, qu'est-ce que tu manges, Tristan? Ça en fait combien que tu as mangé? Ça, c'est mon passion. Ah ben, c'est le dernier. Et maintenant, on a fini. C'est bon? Alors? Alors. Ah oui, d'accord. Tout le pot? Un pot d'huile. Un pot. Non. Oui, mais il fallait mettre dans le pot. Mais c'est pas grave, c'est bon. Ça fait largement un pot. Allez, ensuite. Oui, vas-y, ferme bien. Ça va être délicieux. Casser les trois œufs. Mais il y en a assez pour tout le monde. You can put it back in the carton. Tristan va être avec vous pour quelques minutes. Hey, Monsieur Tristan. Maintenant, je passe encore
Oula. Je reviens. Alors. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Tristan. Alors. Une seconde, j'arrive. Alors, après les trois œufs, ajoutez le demi-sachet de levure et le sucre vanillé. Alors, le sachet de levure, il est où? D'accord, Tristan, tu en mettras que la moitié. Que la moitié? Ouais. Alors, que la moitié? Mais ouvre-le bien, ça va jamais sortir comme ça. T'es sûr que t'as mis la moitié? Oui, c'est exactement la moitié. D'accord. Et après, on fait quoi? On met le sucre vanillé. Tout le sucre vanillé. Tout un sachet? Oui, tout un sachet. Et après, vous reprendrez avec moi. Mélanger le tout avec un fouet. Non, avec un fouet. Avec un fouet. Ah, je cherche dans les tiroirs. Peut-être qu'il y en a un. Moi, le fouet. Allez, hop. Mais moi, je le fais. Hé, hey, les enfants, non. Allez, ça se mélange bien. Allez. You can let her do a little of it too. Hmm? You shouldn't do it that because then that's another for another thing. Tu vas la laisser faire un peu, peut-être. Oui, je vais la laisser faire. Jusqu'à ce que tous les crémants sont partis. Jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. D'accord. Une pâte lisse et homogène. Vas-y, je pense que c'est à Charlotte de faire un peu. Elle est déjà lisse. Non, oh, vas-y, Charlotte. Un peu plus. Ça va? Oui, je crois. Ça avance? Ça. Tristan, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Maintenant, je vais mettre... T'es sûr que c'est bien mélangé en dessous et tout? Oui, vas-y, continue un peu. Et qu'est-ce qu'elle fait après, Tristan? Je vais faire ça parce que c'est un peu dur. Il va falloir mettre toute la pâte dans le... Mais je vais moule aider à avec ça. Moi, je peux aider avec ça. Et après, on met... Et on l'enroule pour 30 minutes. 30 minutes, d'accord. Alors, Charlotte, maintenant, je crois que c'est très, très bien, la pâte. Tristan, peut-être que tu pourras tenir le bol qui est très, très lourd. Et Charlotte pourra, avec la cuillère, non, mettre la pâte dedans. Mettre ça dans le vieil maintenant. Non! Voilà, maman va faire. No shorts. Si, laisse-la faire. C'est un travail pour deux personnes. Tilt it really well so she can put it all in there. Vas-y. C'est lourd, Tristan? Oui. Très lourd. Allez-y, les petits. Il en reste. Oui, il en reste. Oh là. D'accord, laisse-le le poser. Tiens, viens poser le gros.
Voilà. Charlotte, s'il en reste, tu peux prendre avec la cuillère. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire, Tristan? Et après, on le met dans le four pour 30 minutes et on va regarder de temps en temps pour savoir si c'est cuit. D'accord. Donc là, on a bien mis à 200. Et on va... Ne te brûle pas, Tristan. C'est très, très chaud. Et je mets dans le four et on va attendre 30 minutes et on va regarder de temps en temps si le gâteau est cuit car parfois la durée est selon les fours, la durée est différente. Oui, d'accord. Ça me semble très logique. Pour ça, après une vingtaine de minutes, on va regarder un peu ça. Oui. Si c'est joli ou pas. Oui. Après 20 minutes, il va falloir regarder si c'est bien, presque bien cuit, si c'est cuit ou si c'est pas encore cuit. Et après, on va regarder de temps en temps. Et quand c'est cuit, qu'est-ce qu'on va en faire? Quand c'est cuit, on va le mettre dans le frigidaire et on va attendre jusqu'à ce que le dessert. Ah, d'accord. Ou peut-être on va attendre fondre. Tu veux que ce soit un gâteau froid, alors, toi? Non, pourquoi tu veux le mettre dans le frigidaire? Bah. Ok, les enfants, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fallu pour faire ce beau gâteau? Répétez les ingrédients. Il nous a fallu un pot de yaourt. Nature, hein? Nature. Voilà le pot. Deux pots de sucre. Ouais. Trois pots de farine. Un pot d'huile et attention, les pots, il faut mettre tout, quand je dis un pot, ça veut dire un pot de yaourt. Il faut mettre dans un pot de yaourt. Et on a besoin de 3 œufs et un demi-sachet de levure chimique. Et du sucre vanillé. Voilà, super. Alors les enfants... Et il faut tout mélanger jusqu'à ce que tu obtiennes une pâte lisse et homogène. Voilà, c'est bien. Alors les enfants, merci beaucoup. Et il faut mettre dans le four pour 30 minutes. 30 minutes, oui d'accord. Et là, il est 5h30. On vient juste de rentrer de l'école, donc il est 5h30, on a déjà enfourné un gâteau. Et à 6h, tu crois qu'il sera prêt? Peut-être qu'il sera prêt à 6h, peut-être que non. Peut-être qu'il sera prêt à 6h05, je dirais à 5h50. Ouais. Parce que parfois ça prend 20 minutes, parfois ça prend 30. D'accord, merci les bons petits cuisiniers. Et voilà, au revoir. Au revoir. Non. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Madame Charlotte. Au revoir.